connectez-vous. Aurélia Doussou, comment vous allez? Bon, rapidement, rapidement, parce que je dois aller à la messe. Kulka Romy, ça, comment vous allez? Voilà, je fais le repas du dimanche. Après ça, on s'en va à la messe. Thérèse Dico, connectez-vous. Je n'ai pas eu le temps de parler. C'est-à-dire, face à ce rebondissement. Dieu de grâce, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que je cuisine ce matin? Là, il est 8 heures. Je suis une femme très matinale. Vous savez, la nuit a été douce. Hein? Donc, quand la nuit est douce, je dis, traitez bien vos femmes. Quand vous les traitez bien, elles vont bien vous traiter. C'est ça? Mon cher ami, tu la traites mal, elle ne va pas bien te traiter. C'est ça qui est la vérité aussi. Tu t'occupes bien d'elle la journée, la nuit, elle aussi s'occupe de toi. Mais toi, tu ne t'occupes pas de quelqu'un la journée, puis la nuit, tu veux qu'on s'occupe de toi. C'est qui va s'occuper de toi la nuit? Pardon. La nuit, tu vas compter les plafonds. Julie Kissi, à la bon matin. Vous, les autres, vous êtes là, vous pas de petits bon matin. Bon matin à vous, là. Bon matin, bon matin. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu t'es pas préoccupé de moi la journée, la nuit, tu comptes les plafonds. C'est ça qui est là. Merci beaucoup. Oh, Bettine Payet, bon dimanche. Donc, les compteurs de plafonds, là, en prenez-vous à vous-même. Voilà. C'est bien occupé de moi la journée, il m'occupe bien de toi la nuit. Si tu n'es pas bien occupé de moi, si il y a pitié de toi, je te donne un bâtard comme ça. Pour un week-end, on te donne un bâtard, c'est pas bon, hein? Ah. Si on te donne un bâtard, là, à quel moment on te donne le bon un, là? Là, on tombe dans la semaine. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas correcte. Quand vous n'êtes pas correcte, on ne s'occupe pas de vous bien. Si vous êtes correcte, on va bien s'occuper de vous. Flora Arozo, merci beaucoup. Ah ouais, demandez, c'est ça même. C'est ça. Vous n'êtes pas gentil, vous n'aurez pas des bonbons. Dans la nuit, comme je disais aux enfants, t'es pas gentil, tu ne peux pas avoir des bonbons. Donc c'est ça. Si vous êtes gentil, on va vous donner des bonbons toute la nuit. Mais si vous n'êtes pas gentil. Bon, rapidement, hein, le temps que ça monte un peu. Oui, oui, va compter les plafonds. C'est ça qui est là. Ça ne chauffe pas. Donc soyez gentil. Mes amis, quand je prends un whisky la veille, il faut que je prenne quelque chose de sucré le matin. Je ne sais pas. Depuis que je suis jeune, c'est comme ça. Donc ça, c'est un coca. Bon, rapidement, le temps que le petit direct monte là. Oui, oui, le temps que ça monte. Je cuisine quoi aujourd'hui là? Qu'est-ce que je suis en train de cuisiner? Je fais la sauce blé qu'on appelle kakoulou chez les gourous. Vous voyez les petites noix. Tout ce que je vous montre là, je vends ça à l'air là. Je vends tout ça. Voilà, c'est ça. J'ai réduit en poudre ici. Souvent, vous avez les pâtés, tu n'as pas déjà en poudre. Mais maman, si vous avez les mixeurs, ça là, tu prends, tu mets dans le mixeur, c'est fini. C'est ça, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà ça, j'ai réduit en poudre. Chez les guéris, là, ils aiment faire sa poudre lisse. Chez nous, on met un peu de grains dedans. Bon, c'est pas important. Bref, c'est ça qui est. Avec un peu de crevettes. C'est ça. Un peu de piment. Voilà. Champignons bruns. Je fais avec brun. Vous pouvez faire avec du champignon noir. Tout ça, je vends. J'en ai en ce moment en stock. Donc, vous voulez bien manger. Les escargots, ceux qui sont petits, petits, là. Quand on finit de trier les gros, gros là-bas, là, j'ai dit, bon, faites-moi un peu de petits, petits. Donc, les escargots, quand ils sont déjà congelés, c'est facile à cuisiner. Quand ils sont congelés, vous les mettez dans le bol, dans le chaudron, oui, comment on dit chaudron, la casserole, vous mettez l'eau dessus, et puis dès que vous voyez que ça bout, vous essayez de les détacher tout et tout, et vous recueillez l'eau, c'est très important. Oui, oui, j'ai passé une douce nuit, mais c'est avec un peu de... Tu connais l'affaire, Stéphane Yannick, tu connais l'affaire. C'est ça, vous recueillez l'eau, c'est très important. Vous filtrez, puis vous recueillez l'eau. Cette eau-là, c'est ça qui va être votre eau de cuisson. C'est ça, maintenant les escargots, vous les lavez au lavabo. C'est ça, lavez-vous. N'ayez pas peur de les laver, parce que le jus est déjà là-bas. Donc le goût va sentir la sauce escargot, tout sera là.
C'est si vous ne les lavez pas au lavabo, c'est là que vous allez avoir des petits cailloux, tout et tout. Prenez le temps de laver ça comme ça en bas du lavabo. Et puis, qu'est-ce qu'on met dans notre sauce? Ah oui, hein, je vous ai dit que c'est une sauce royale. Voilà, on met un peu de brochet, un peu de qu'est-ce qu'il y a, le petit secret, on ne dit pas son nom. Le secret, ça vient par la route. J'ai ma tante qui m'envoie ça depuis les États-Unis. Pas beaucoup. Elle m'envoie seulement petit 15 petits morceaux. Voilà. Elle m'envoie les 15 morceaux là. Elle m'envoie même, c'est pour ma consommation personnelle. Comme j'aime l'argent là, donc souvent je vends un peu à mes clients. C'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime toujours laver le poisson dans l'eau chaude. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais même pas qui m'a appris ça. Mon poisson, un peu de viande aussi dans l'eau chaude. Et puis, je m'en mets ici dans la casserole. Voilà, bien nettoyé. Commencez par monter. Dès que vous montez à mon nombre que je veux, je vais commencer le direct. Je vais commencer le direct. Sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'aime. Quand un sujet vient là, chacun dit sa part. Chacun m'a dit sa part. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en affinité avec toi. Je suis obligé d'aller dans le même sens avec toi. Chanel, elle a son point de vue. Moi, il y a mon point de vue. Donc, c'est toujours comme ça. Et puis, on évolue bien. Donc, c'est pas pour ça que j'ai posé ma caméra pour venir insulter Chanel ou bien pour venir dire ce temps-là même est dépassé. Ah. Même, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, même, aide-moi à détester est fini maintenant. Pareil, chacun a pris sa part. Donc, tu viens, je dis pour toi. Merci beaucoup. Je vois d'ailleurs que vous êtes monté. Donc, voilà ça. Je mets mon eau ici dans ma sauce. Et puis, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur. Maman, si tu cuisines les escargots, qu'il y a du sable dedans, c'est que c'est toi-même qui ne sais pas t'y prendre. Sinon, si tu t'y prends bien, il n'y aura jamais de choses dedans. Désolée, je continue à monter. Je vais juste laver les escargots comme il faut. Je les mets dedans et puis on commence le direct. Tout de suite. Ouais, il faut que je les lave plusieurs fois. En dessous du... Laissez l'eau couler. Vous les lavez un par un. Il n'y aura jamais du sable dedans. Voilà. Vous laissez l'eau couler, vous les lavez un par un. C'est ça. Et voilà. Je m'en vais les mettre dans le bouillon. C'est la sauce qui est partie comme ça. Si vous versez le bouillon, là c'est fini là. Il n'y aura plus de goût parce que déjà les escargots sont lavés ici. Et puis bon. Mes amis, je commence le direct là, tout de suite. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes déjà là. Moi, ça me convient. Bon, ce direct, on va le faire en deux étapes. Ouais. Donc, je vais sortir un autre chiffon. Celui-là n'est déjà mouillé. Je vais prendre le chiffon sec ici. Je vais faire ce direct, comme je disais, en deux étapes. La première étape, je vais m'adresser à Ivy. Et ça dit sa réaction face à ce qui est arrivé. Ça dit quand elle était en vacances. Ivy, moi, je viens te parler. D'abord, quand j'ai vu où on a posé la question à Mimi, et comment Mimi Blonde, je n'ai pas vu ça. C'est hier, toi, dans ta façon de parler, que j'ai compris qu'on avait déjà posé la question à Mimi Blonde à ton sujet. Quand j'ai vu la réaction de l'animatrice sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous dis, mon direct va être en deux temps. Si vous me suivez, vous allez me comprendre. Bonjour, bon matin à tous, bon dimanche. Bon dimanche pour ceux qui s'apprêtent à aller à la messe ou bien ceux qui sont déjà revenus de la messe. Moi, ok, Liam Kwao, je t'en parle, je t'explique. Yes Beauty, pour vos coiffures de sortie, pour vous rendre belle, Yes Beauty est là. En ce moment, vous voulez ramener des choses, Huguette dans le Pérou Market. Vous la rejoignez, vous allez parler avec conteneur sec, conteneur frigorifique, appelez-la. Je vois que vous laissez souvent Huguette, vous venez vers moi. Très souvent, je n'ai pas assez de temps pour vous répondre, tout et tout. Je vois que les messages font 2-3 jours, puis je vous réponds, c'est dommage. Voilà. Donc, rejoignez Huguette. Vous voulez acheter tout ce que j'ai présenté, j'en ai en ce moment. Mais le secret, j'en ai pas un grand stock. Comme je vous ai dit, c'est juste 15 morceaux. Donc, premier venu, premier servi. La Cali, graines, tout, j'en ai. Graines, il me reste 4 morceaux. Bref, vous m'appelez. Si vous voulez manger africain, appelez-moi.
Merci beaucoup. La nuit était douce, Fanta Diomandé. Merci beaucoup. La nuit était douce. C'est pour ça que j'ai rajeuni déjà le matin. Le terrain, toujours, ça se poursuit du côté de Bergerville. N'hésitez pas. Un citoyen, un lopin de terre. Vous savez tout ce que moi, je suis dedans. Il n'y a pas d'arnaque. C'est ma nature qui est comme ça. C'est comme les affaires d'immigration. Quand on me voit parler, c'est ah, notre dossier n'a pas encore évolué. Oui, vos dossiers n'ont pas évolué. Je ne suis pas responsable. Ce qui me fait bizarre, c'est que quand vous partez chez l'avocat là-bas, vous grattez votre tête devant l'avocat. On m'a donné les comptes rendus. C'est ça. On m'a dit quand vous partez devant l'avocat, la façon dont moi vous me laissez les voices, oui, les partez, ça fait 2 ans, ça fait 1 an, maman, je ne suis pas responsable de ça. Oh. Vos dossiers sont traités par un avocat. Vos dossiers sont traités par M. Magadji. Mais quand vous partez là-bas, là c'est 8 mètres. Hein? Là-bas, vous ne parlez pas dur. Ou vous devez parler dur sur lui pour taper sur la table et dire, mais pourquoi notre dossier est depuis là-bas, hein? Là-bas, on fait loin, loin. Et puis quand c'est sur moi, maintenant, vous voulez venir être kika sur moi. Mais quand vous êtes kika sur moi, je vous donne aussi votre réponse. C'est ça qu'il a. Lui qui traite vos dossiers, vous le connaissez. C'est ça qu'il a. Je vous ai dit, je ne suis pas responsable des dossiers. Je ne traite pas de dossiers d'immigration. Voilà. Je suis juste le canal de communication. C'est ce qu'il a dit depuis le début. Moi-même, je paye des millions pour traiter le dossier de mes frères et soeurs. Donc, ça veut dire que je ne connais pas comment traiter le dossier. Donc, vous patientez. Ceux qui sont en train de traiter le dossier, quand ils vont venir, vous allez les voir. Votre tour va arriver. Voilà. On avait eu des soucis avec l'immigration. Dieu merci, l'avocat a gagné là-dessus. Oui, oui. La lettre qu'on vous envoyait, ça veut dire que l'avocat a gagné. Donc, un matin, vos dossiers vont se décanter. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des intermédiaires pour venir m'intimider. On peut intimider une Canadienne. On peut venir intimider une Canadienne. Je suis un homme de loi. Tu es un homme de loi et puis quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. Tu es un homme de loi. Intimider les gens qui sont habillés, ce n'est pas moi. On ne peut pas intimider une Canadienne. C'est ça qu'elle a. Ça ne chauffe pas. Bref. Donc, patientez. Mes impactés, nos candidats, patientez. Vous allez avoir. Vous allez voir. D'ici quelques temps, ça va se décanter. Et puis maintenant, je vais tomber dans le vif du sujet. Quelqu'un m'a demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Congo ça du dimanche avant d'aller à la messe. Après, je vais venir parler de M. Timoko après la messe. Je n'ai pas vu cette partie de l'émission. On dit qu'il y a une nouvelle animatrice qui est venue, je crois qu'il s'appelle Paula. En tout cas, une jolie dame. Quand j'ai vu qu'ils ont posé la question à la miss sur ce plateau de télé au sujet de la cuisine, j'ai dit aïe. Et puis après, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, la réaction de la miss va poser problème. Elle, je vais venir vers la fin pour donner mon point de vue. Quand j'ai vu son problème, la question que je me suis posée intérieurement, j'ai dit, mais attends, MCI, là, c'est pas la même émission où tout ce travail, ou bien c'est une autre émission. Dans ma tête, je trouvais que c'était pas correct. J'ai dit, mais est-ce que ce sont des animatrices? Comment elles peuvent venir poser ce genre de questions? Le problème, c'est quoi? Quand vous posez la question forcée, ça va sur les réseaux sociaux, ça va prendre, ça va partir de partout, chacun va donner son point de vue. Donc déjà, voir une animatrice, on est de la même maison, on est de la même structure, venir parler d'une autre comme ça, moi je n'ai pas trouvé ça correct pour toutes. Vous comprenez? Vous comprenez? Je n'ai pas trouvé ça correct. Ah, elle est là, ça fait 2 ans. Ah, là je ne la connais pas. Donc, tout de suite, je m'étais posé. Donc, quand Ivy a rebondi dessus hier, Ivy, je viens te dire, j'ai apprécié ta réaction. Ça ne se fait pas. On est tous de la même maison. On ne peut pas venir jeter une autre personne à partir sur les réseaux sociaux, alors que nous tous, nous sommes de la même maison. Dès lors que nous sommes des collègues, on marche tissé serré. C'est comme ça. C'est comme où Ivy est aujourd'hui. Elle ne peut plus venir lancer des pics à Eka. Non, ça ne se fait pas parce que vous êtes de la même maison. Merci, Edith Yvonne, de ta présence. Partagez le direct. Donc, je n'ai vraiment pas apprécié la façon dont les choses se sont faites. Mais Ivy, désolé de te dire, quand tu as parlé, tu demandais à tes collègues pour une personne comme moi, quand tu entends mon hygiène. Je te comprends, hein? Je ne dis pas ça pour rire de toi. Sylvie Adibaï, comment vas-tu? Ma soeur du Délémont. Ouais. La patronne du Délémont. Prends des cœurs ce matin. Je n'ai pas apprécié comme je dis, mais ce que je voulais te dire, Yvi, quand tu parlais, tu as dit oui, une personne comme moi, tout et tout, mon hygiène, tout, oui, je comprends. Mais la mauvaise haleine n'a rien à voir avec l'hygiène corporelle. Yvi, je ne dis pas ça pour rire de toi. Hein. Quelqu'un qui a une bouche qui sent là, souvent, il ne sait pas. La personne ne sait pas souvent. C'est ceux qui sont autour de toi. Voilà.
Ah, d'accord. Ah, ok. Alors, quand c'est piqué entre elles là-bas, les deux ont bouche pour se défendre. Moi, je suis pas là pour défendre quelqu'un. C'est ça qui est là. Il a dit, il ne défend plus personne sur les réseaux sociaux. Ça vient, je parle. La mauvaise haleine n'a rien à voir avec question de haut. Eh, je ne sais pas, mais là, j'ai une hygiène. Tati, tu ne sais pas faire de ça. Souvent, tu ne le sais pas. Donc, tu as pris les ongos, tes collègues, tout ça pour témoigner. C'est no sense. Tu comprends? Comment on appelle ça? Halitose. Tu vois, hein? Abiba Fofana. Ah bon, je ne connaissais pas ça. Halitose. Bon, l'halitose, là. C'est une maladie souvent qui est dans le tube digestif là-bas. La preuve, quand il y a mauvaise haleine, on met des gastro-entérologues dedans. Parce qu'il paraît que l'odeur, là, ça quitte jusqu'à dans l'estomac là-bas. Donc, Tanti, souvent toi-même, tu ne sais pas. Tu comprends? Souvent toi-même, tu ne sais pas. Je ne dis pas que tu as vu ça. Hein? Moi, je suis partie à Paris, dans les wourou-wourou, où tu faisais, comment on appelle ça, le buzz avec Tanti Dié là. J'ai demandé à quelqu'un qui m'a croisé à Paris, qui a dit que moi, je suis sa star. Elle m'a croisé, elle te connaît très bien. Il a demandé, mais c'est ce que Tanti Dié raconte là. Tu comprends? Oui, Tanti Dié raconte, c'est vrai. Elle m'a donné la réponse, mais par respect pour toi, par respect pour les autres, je n'ai jamais dit ça. Donc, souvent, toi-même, tu ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand maintenant, ils sont en train de propager ça, parce qu'on a vu, hein, ton ancienne petite camarade aussi en train de dire ça là-bas. Donc, quand c'est comme ça, là, tu prends un membre de ta famille. Oh, je suis là. Souvent, quand il me réveille comme ça, je dis à Wendy, fais ça. Tu fais ça. Tu dis à un membre de ta famille, tu peux dire à ta fille, tu peux dire à ton mari, tu peux dire à un proche. Je n'ai pas dit une camarade, hein, pas les camarades, là, nous sommes des cogneuses de tête. Elle va être hypocrite. Elle va dire, non, ta bouche sent pas mauvais. Elle va jouer les hypocrites là-là, alors qu'en réalité, ta bouche sent. Donc, tu prends ta fille, tu prends ton mari, tu lui dis, chérie, bon, on raconte que ma bouissante, est-ce que c'est vrai que ma bouissante, dis-moi la vérité. Tes proches vont te dire. Parce que tous ceux qui étaient sur les plateaux, là, c'est hypocrisie, ils vont faire, ils vont jamais te dire que oui, ta bouissante. Tu comprends? Donc, ne dis pas que, nous, on avait une tantie, là, j'ai dit, la tantie, ta tantie de la gloire. Une de leurs tantie, quand elle était jeune, j'ai dit, tantie, quand elle s'habille, là, quand elle arrive, là, tu dis que, voilà la femme que je cherche dans ma vie. Si tanti, et puis tanti a les décalages comme ça, il dit, si tu vois la tanti, elle a fait les venir comme ça. Voilà la tanti, hein, dans le décalage, elle vient comme ça, tanti a fait d'arriver. Mais à côté de tanti, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu ne peux pas t'arrêter à côté de tanti. Qui m'a dit à tanti que ça bouge ça? J'ai dit qu'une tanti qui avait le portrait, elle avait l'argent, moi, elle avait beaucoup d'argent. On peut dire à une tanti qui a l'argent que ça bouge ça? C'est qui va lui dire ça? Mais la bouche de tanti sentait. Donc, tu comprends. Donc, arrête de prendre des témoins de quoi. Est-ce que... Non, non, il dit, tu as une hygiène irréprochable. Quand on te voit, tu es une femme propre. Il n'y a rien à dire sur toi. Mais c'est que je suis en train de dire, prends l'exemple, prends les membres de ta famille, tu sais, serré. Tu as une fille, je crois que ta fille a 10 ans, bien quoi. Fais ça en deux étapes. Où tu t'es réveillé le matin, tu ne t'es même pas encore brossé là. Les enfants ne mentent pas où. Ouais, dit qu'elle a souvent quand mes trucs sont façon là, elle me dit ça ben, d'une manière là. Bon, souvent je dis bon, c'est pas grave. Ouais, dit qu'elle a avant, vous savez ce qu'elle m'a dit. Elle me racontait une histoire et puis moi je m'étais penché quand elle était sur mon téléphone. Elle me dit, maman, j'espère que tu n'es pas en train de m'enregistrer. Je dis quoi? Elle dit, ah, parce qu'avec vous les blogueurs là, c'est, écoute, maman, moi je n'ai pas confiance. Je dis, viens t'enregistrer, toi tu es ma propre fille. Elle dit, je sais pas, mais quand tu t'es penché d'une manière comme ça là, donc je pensais que tu m'enregistrais. J'ai dit, jamais je vais t'enregistrer. Bon, une ou dit comme ça là, qui dit que non, maman, j'espère que tu n'es pas en train de m'enlever. Si ma bouche sent là, tu crois que si elle lui demande, ma fille, dis-moi vraiment ma bouche sent, elle va mettre ma bouche sent. C'est ça. Donc, ne parle pas de non, mon hygiène, t'attends, souvent tu ne le sais pas. Tu comprends? Ah, mon cher, mais tu dis où est le problème? C'est gênant. Qui est en train de dire ça? Hey. Je t'ai dit, Wendy m'a dit que j'espère que tu n'es pas. J'ai dit, mais je vais t'enregistrer pourquoi? Aïe! J'ai dit, je suis tombée des nues comme ça. J'ai dit, mais comment tu peux penser que je vais dire, ah, maman, on ne sait jamais. Je ne m'enregistre pas. J'ai dit, je ne vais jamais t'enregistrer, ma fille. Aïe! Comment je vais t'enregistrer? Mais elle était sérieuse quand elle me parlait. Donc, où je suis là? Si on soupçonne que ma bouche sent là, viens. Comment on dit ça? J'ai approché ma fille. Elle dit, ah, faut me dire la vérité. Ton enfant va te dire. Donc, arrête de prendre l'air pour témoin de quoi, de se rentrer, se sortir ici, tout ça. Tu comprends? C'est ce que moi, je voulais te dire. C'est...
J'ai dit non, mais je peux pas t'enregistrer. Mais comment tu as pu penser comme ça? Elle dit, ah maman, la façon dont je t'ai vu, tu t'es positionné et puis tu avais le téléphone penché. J'ai dit, ben non, je suis pas en train de t'enregistrer. Tu comprends? Ma propre fille qui me dit, faut pas m'enregistrer. C'est elle qui va pas me dire si ma vie sent. Elle va me dire ça. Donc fais le test un peu avec les membres de ta famille. Poche. Voilà, ils vont te dire si c'est vrai ou si c'est faux. Si tu fais ça en deux temps, le matin au réveil, et puis maintenant tu fais ça. Ok. Elle a 12 ans, bien qu'elle lâche. Bref, elle peut te dire. Elle peut te dire. Ton mari peut te dire. Voilà, quand ils vont te dire là, tu vas aller voir un médecin. Voilà, si tes proches te disent ça, tu vas aller voir un médecin, ça se soigne. Ça se soigne, c'est comme une maladie. Comme j'ai dit, les gens pensent que le bruit sang là, c'est affaire de se brosser les dents. Ou bien c'est. Non, 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 ça vient de l'estomac là-bas. Dans le, ça dit, en tout cas, ça vient de loin. Tu rigoles pourquoi il y avait. C'est la vérité qui est là. Ah, donc, ma chère, faut laisser affaire de prendre témoin là. Prends pas les témoins. Les propres témoins, ce sont les membres de ta famille. Voilà, c'est ce qu'elle peut te dire. Prends les membres de ta famille, ne prends jamais des amis. Parce que les amis sont hypocrites. Amis même là, il y a des amis même là. Tu as porté habit ses aigbes sur toi. Tu vas avec elle pour magasiner. Tu portes habit les aigbes sur toi. Elle n'est même pas capable de te dire habit là n'est pas joli. Il y a des amis comme ça. Hein. Tu vas magasiner avec elle. Elle est à côté de toi. Tu as porté toi-même, tu sais qu'elle l'habit là. Bon, voilà mon ventre qui est dedans, qui car. Elle va te dire, non, c'est joli, ça te va. Bon, tu prends. Tu arrives à la maison, et ça, toi-même, tu essaies, tu dis, on dirait qu'Abila n'est pas. Il y a des amis comme ça qui ne sont pas capables de dire la vérité. Moi, si j'ai une amie qui n'a pas une bonne hygiène buccale, qui n'a pas une bonne odeur dans la bouche, je vais trouver le moyen d'une manière ou d'une autre. Je sais comment trouver des contours pour lui dire ça, pour ne pas que la personne soit frustrée. Moi, j'avais des amis qui avaient des odeurs, des cousines qui avaient des odeurs corporelles qui sont passées chez moi ici. J'ai su comment faire. Je lui ai dit que tu sais, ici là, c'est un pays où les gens aiment critiquer les gens sur leurs trucs. Souvent, on pense qu'il fait froid, on ne transpire pas, mais on transpire. Donc, matin là, quand tu t'en vas là, tu mets ton déodorant. En allant là, tu es en stage, tu vas courir dans les corridors, tout ça là, tu mets. Sinon, ils vont te reprocher. Jusqu'aujourd'hui, le jour qu'elle a quitté ma maison, il l'a fait asseoir tranquillement. Il dit, bon, on a fini l'étape de où tu étais en stage. Mais dans la vraie vie, souvent, tu dégages une forte odeur. Je ne veux pas te dire ça pour te choquer. Tu sais que je suis ta soeur. Il ne peut jamais te mépriser, il ne peut jamais te rabaisser. Donc, il faut, ça dit, toujours, il faut mettre l'accent dessus. Aujourd'hui, elle est bien avec ça. C'est que s'il y a des odeurs ou des gens naissent avec, je ne sais pas si ça est dans les eaux, hein, ou bien quand ils étaient petits, on ne les a pas bien lavés. Hein. En tout cas, il y a des gens qui sentent mauvais. Amenia, la dernière fois, c'était où? C'était où? Mon Dieu, je crois que c'était à Montréal, ou bien je ne sais pas où c'était, je ne m'en souviens plus. Ou bien si c'était à Paris, je devais prendre le RER. Bref, je ne sais plus où c'était. La jeune fille parlait avec son chum, les deux étaient, mais j'ai dit, je me suis approché pour me mettre dans le même wagon avec la fille. Impossible. J'ai dit que impossible. Dès que je me suis approché pour rentrer dans le même wagon avec elle, tu ne peux pas respirer. J'ai pris l'autre porte. Donc, il y a des gens qui ont des odeurs corporelles. Ils ne savent même pas qu'ils sentent. Donc, ces gens de personnes-là, il faut trouver du tact. Il faut aller avec diplomatie pour pouvoir dire à ces personnes-là que... ton odeur, là, ton hygiène doit être à revoir. Mais à Bigan, là-bas, où tu es grande mamie, tu roules dans la grosse voiture, tu as grosse maison, tout le monde est autour de toi. C'est qui va te dire ta bouche là-bas? Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire. C'est dans ta propre famille. C'est qu'elle te dit, il faut faire l'expérience. Peut-être que les gens gardent ton nom. Peut-être que c'est vrai. Je ne suis pas là-bas. N'est-ce pas, comme on dit, je ne suis pas au courant. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, comme je dis, j'ai déjà trouvé maladroit. Que cette animatrice-là, qu'on ait d'abord invité cette miss-là pour parler de Eka. J'ai déjà trouvé, puisque vous êtes de la même maison, si vous n'étiez pas de la même maison, j'allais dire. Oui. Odeur de transpiration, ça sent. Il y a d'autres qui ne transpirent pas et puis ils sentent. Il y a d'autres, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Et tenez-vous bien. Cette personne, comme je t'ai dit là, avait passé comme 2 mois ici. Quand la, 2 mois, pas dans cette maison, dans une des maisons là-bas. 2 mois là, l'odeur est restée là-bas. On a dû
désinfecté la maison, c'est-à-dire on a fait une désinfection spéciale pour enlever l'odeur. On a mis des produits tout pour que son odeur la quitte dans la maison. Ce n'est pas de sa faute. Donc une personne comme ça, où tu as vivre avec elle, tu as fait semblant. Non, on n'a pas fait semblant. On va trouver le moyen de te dire ça, c'est-à-dire pour ne pas te frustrer, parce que tu es un être humain. Donc c'est ça qui est la vérité. Voilà. Comme j'ai dit, la deuxième partie de mon direct, le fait déjà que des gens aient invité cette miss là sur ce plateau pour parler de Eka, j'ai trouvé ça, ça dit déplacé. Parce que vous êtes de la même maison. Donc vous ne pouvez pas l'appeler pour venir parler de ça. Pour venir parler de non, tu avais porté Eka, c'est Eka qui t'habille, c'est pas elle qui t'habille. C'est déjà déplacé, étant donné que vous êtes tous de la même maison. Cependant, la réaction de la miss, il n'y a pas de problème dedans. Est-ce qu'elle a menti? Leto, comment tu vas, Leto Zozo? Ça, c'est mon frère, ça. Comment tu vas, Anno? Babouchou, ça va? Est-ce qu'elle a menti? J'ai vu sur Instagram, sur partout, on a commencé à descendre la fille, c'est rentré ici, elle devait dire ça, étant donné qu'elle lui a donné la vie, elle devait dire quoi? Je veux savoir, qu'est-ce qu'elle devait dire? Vous croyez que c'est tout le monde qui se sent dans la position du mensonge? C'est tout le monde qui se sent confortable? Hein? C'est pas tout le monde qui se sent à l'aise dans le mensonge. Quand elle disait là-bas, oui, je suis un peu derrière elle, c'est pas pour embellir les choses. Je t'ai donné deux habits, donc du coup, je suis un peu en arrière de tout ça. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc la Miss Marilyn ou bien quoi là, elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de mal, souffrir de ça, aller péter dans les fleurs. Si ça vous fait mal. La fille n'a rien dit. Je vois là-bas, on va se désabonner de sa page. La Miss, elle est blogueuse. Miss Marilyn est blogueuse. Elle n'est pas blogueuse. Désabonnez-vous de sa page. Elle est Miss, elle fait des études. Après les études, elle travaille dans un bureau. Bien, elle s'oriente dans ses business, c'est tout. Elle a déjà son titre de Miss. Donc, de quoi est-ce qu'on vient parler ici? On vient parler de quoi ici? Elle n'a pas menti. Est-ce qu'elle a menti? C'est pas elle qui est derrière elle. Mais quand on dit, je suis derrière, il dit, je t'ai donné deux habits, donc du coup, c'est moi qui suis derrière ce petit changement. Votre personne, elle m'empêlit les choses. Elle veut que toujours être au centre des choses. C'est ça qui est la vérité. C'est la vérité qui est là. Quelqu'un t'a donné un verre d'eau un jour. Est-ce qu'elle n'a pas reconnu? Elle a reconnu? C'est-à-dire, vous êtes confortable dans le mensonge, mais écoutez, c'est pas tout le monde qui est bien avec le mensonge. C'est ça. Donc la fille n'a rien dit de mal. Et du coup, on commence à l'attaquer de partout. C'est rentré, c'est sorti ici. On peut l'attaquer pourquoi? Hein? Elle n'a pas dit qu'elle est sa coach, d'accord, mais elle n'a pas dit, elle aussi s'est limitée au fait que la fille lui a donné deux habits. C'est tout. Est-ce qu'elle a menti? Elle n'a pas menti. Quand l'autre aussi disait, quand on vient dit que non, comment on appelle ça? Monica, elle est toujours bien coiffée maintenant. Elle est comme ça. Et puis quelqu'un vient dire, oh oui, je suis derrière le changement. Maman, si tu m'as donné deux perruques seulement, tu vas dire, je suis derrière le changement. Non, tu ne vas pas dire ça. Tu ne vas pas dire ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il y a. Donc, on l'a invité sur ce plateau. Comme je dis, les animatrices sont mal faites de l'inviter sur le plateau. Mais la réaction de la fille est tout à fait normale. Sa réaction est tout à fait normale. Dites à votre personne d'arrêter de trop parler. Elle parle trop là-bas. Tant qu'elle va trop parler, c'est comme ça, ça va venir sur la toile et puis elle sera traitée. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le mensonge. C'est vous qui allez mettre les paroles dans la bouche de la miss. Que non, elle devait dire ça. Elle devait dire ça. Pourquoi on va dire ça pour elle-même? Pourquoi? Elle devait dire ça pourquoi? Alors, donc allez souffrir ailleurs là-bas. Donc la miss, continue ta route. La place d'une miss là, c'est même pas sur les réseaux sociaux. Tu es une miss, tu viens faire quoi si tu as l'internet sur les réseaux sociaux. Regarde ton objectif, poursuis tes études. Un matin là, on va te voir où tu es dans ton travail, tu es marié, tu as tes enfants. C'est là. Faut regarder les exemples des autres miss. Ça là, regarde l'exemple des autres miss. Prends pour modèle les autres miss là-bas, puis tu vas évoluer. Cette miss là a été victime du fait que Olivia Yassé était une miss Sally où tous, comme on peut dire, je dirais, tous les œufs étaient dans le même panier. Donc, celle qui devait venir après Olivia Yassé, et puis bon, elle n'était pas du même standing que Olivia Yassé. Donc, tous ces petits trucs, déjà, il y avait problème. Petits trucs, il y avait problème.
Aïe, c'est à moi que tu avais me demander ça. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? J'arrive pas à bien lire ton nom. C'est à moi que tu avais me demander ça. Va poser cette question à quelqu'un d'autre là-bas, pas à moi. Donc cette fille-là a été victime de ça. Tena, Eka l'habille. Eka s'est habillé les gens. J'ai dit, Eka s'est habillé, c'est pas habillé les autres. C'est ce qu'elle dit. Ça vous fait souffrir? Elle s'est habillée qui? Hein? Sur les réseaux sociaux, elle habille qui? Et puis c'est joli. Elle habille qui? Dites-moi. Elle s'est habillée elle-même, c'est tout. J'ai dit, elle dit ça dans une vidéo. Vous êtes débattus là-bas, comme des diables là-bas. Vous êtes débattus là-bas, comme des crabes. Après, où ça allait? C'est pas allé quelque part. Elle sait s'habiller elle-même, elle s'est bien présentée, elle ne sait pas habiller les autres. Donc, ce n'est pas elle qui est derrière l'habillement de la fille. Elle a fait un cadeau à la fille, viens dans mon magasin. Tant, elle lui a offert un dans mon magasin, viens là-bas, elle lui a offert. C'est tout, et puis ça s'est arrêté là. Je suis un peu derrière ça. Quand tu dis que tu es un peu derrière ça, ça veut dire que le travail qu'elle a, tu as contribué à ça. Tu n'as pas contribué à ça, tu lui as juste fait un cadeau et puis ça s'arrête là. Donc, tu veux dire comment? C'est à moi, tu vas venir demander si c'est comment. Ne me faites pas parler, oui, c'est dimanche. Mes amis, je vous aime. J'ai fini de préparer ma bonne sauce de la gloire. La voilà qui est là. Tranquillement, ça va bouillir tranquillement. Voilà. Je ne mets pas beaucoup de cube magique. Juste un petit cube. La sauce, même tous les ingrédients sont là. Et ça n'a besoin de mettre deux cubes magiques. Juste un seul petit cube magique. Et puis le goût est là. Donc, Marilyn, ma petite, continue ta route. Quitte dans le vuvuzela des réseaux sociaux. Continue ta route tranquillement. Poursuis tes études tranquillement. Voilà, ne viens plus te mélanger ici. Quand on va plus faire voir. Si vous ne faites rien, vous allez lui faire voir. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Hein? Elle a dit la vérité, c'est la vérité, vous n'aimez pas, c'est tout. Vous allez lui faire quoi? Voici les pages là-bas, ne la partageons plus. L'ami, elle fait direct. L'ami, c'est blogueuse. Elle n'est pas blogueuse. Donc, elle s'en fout de vous. Qu'est-ce qu'elle va faire, vous? Elle s'en fout de vous. C'est quand tu es blogueur, on dit non, faut pas, on va la partager. Miss aussi, on dit faut pas, on la partager. Vous faites pitié, quoi. N'en dis à en tout cas, je m'arrête là. Voilà. La sauce va bouillir tranquillement. Voilà, les deux petits culs magiques. Aïe. Non, ils n'auront pas menti. Elle s'habille, il y a des trucs qu'elle porte qui sont bien chics avec elle. Il y a des trucs qu'elle porte qui sont bien chics. Comme tout être humain. Comme tout personnage public, souvent qu'elle porte aussi, c'est pas ça. Même les Beyoncé là, souvent elle porte aussi, il y a des flops dedans. Donc, c'est pour ça, je peux pas dire que non, elle s'habille bien. Mais elle sait pas bien les autres. Quelqu'un qui sait pas bien les autres, elle allait venir se réclamer que c'est moi ici derrière ça. Maman, tu n'es derrière rien. Tu n'es pas derrière quelqu'un, quelque chose là-bas. Tu n'es pas derrière quelque chose, tu n'as pas bien la fille, tu lui as fait cadeau, c'est tout. Aïe. C'est ça qu'elle a. Allez souffrir ailleurs. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Allez souffrir ailleurs. Maman, tu me regardes là, je souffre. Où elle est même? Attends, elle bien lit ton nom. C'est pas qu'elle lit. Tu me regardes, moi, elle souffre. J'ai dit, la nuit a été douce. La nuit a été douce. Je cuisine le repas que mon mari aime. Ma vie est réelle. C'est ça qui est là, ça chauffe pas. C'est vous qui êtes dans le virtuel. Ma vie est réelle. Voilà. Je vais faire du bon foutu quand on revient de l'église. Puis le reste, I don't care. C'est ça qu'elle a. Voilà. Allez souffler ailleurs. Oh, je suis derrière ça. Tu n'es derrière rien là-bas. Tu as fait quoi pour elle? Tu n'as rien fait pour elle. Tu lui as fait des cadeaux. Elle a apprécié. Elle est venue sur le plateau. Elle a apprécié. Pourquoi on n'a pas dit non? C'est rentré, c'est sorti. Pourquoi que c'est trop? Attends. Je vais m'arrêter là. Mes amis, je vous aime. La sauce promet. Si ce, prenez soin de vous. Et bon dimanche. J'ai fini de dire pour vous. La nuit a été très douce. Ciao.